Autodidacte surdoué et homme d'affaires avisé, Félix Amyot a traversé le siècle. Premier avion à 18 ans qui vole, c'est pas un petit exploit. C'était vraiment un inventeur de génie. En quelques années, cet homme discret devient un grand nom de l'industrie française. Les commandes de l'armée de l'air vont bon train. Après la guerre, les usines d'aviation se nationalisent. Félix Amyot s'envole vers une nouvelle aventure industrielle. Je n'ai pas voulu abandonner les gens qui étaient avec moi depuis de très nombreuses années. Et c'est ainsi que je suis arrivé à la construction navale. Et c'est de là que part le programme des fameuses combattantes dites après ça vedettes de Cherbourg. La tête dans les nuages et les pieds sur terre, Félix Amyot du ciel à la mer a rencontré absolument ce lundi après votre grand soir 3.